Moi, personnellement, je ne traverse même plus à Gisenyi. Moi, personnellement, je ne l'avais pas dit parce que j'étais à Kinshasa. Même là, je suis à Goma. Je ne traverse plus à Gisenyi. Pourquoi? Pour moi, c'était la seule raison est que je ne conçois pas, je ne me vois pas, moi, El Ouizia, leader d'opinion, en tant qu'artiste, musicien, représentant des gens de chez moi, aller, ça n'a même rien à voir. Parce que moi, je suis de Goma. Quand on tue les gens, ce sont les gens du Kivu qui meurent. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Moi, je disais, même à des frères à Kinshasa, j'ai dit, vous ne comprenez pas encore la chose, puisque ce n'est pas le vôtre directement qui meurt, en fait. Mais demandez aux gens de Beni, qui subissent les choses directement, genre on tue ta mère, on tue ta soeur, et toi tu vois. Ça, oui. Et tu sais très bien d'où ça vient, tu sais d'où ces gens viennent, tu sais que ces gens. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Aller y faire quoi? Aller y jouer, aller y faire quoi? Je ne peux pas aller m'amuser, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas besoin. En fait, je dois soutenir la cause de mes frères. On pense du droit du président Kagame de soutenir la M23. Ok. Quel message que vous avez envie de lui transférer? Cette image, okay. C'est qui? Mais c'est le président rwandais. Qui? C'est le président Paul Kagame. En vrai, cette image, ça vous dit quoi? Sur la photo. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est que les autorités disent que lui soutient la M23? Qu'il fait passer au Rwanda, disant que voilà, nous avons leur terre ici chez nous. Certaines personnes qui disent qu'il faut négocier avec le M23. Parce que d'abord, il faut rappeler le président Tshisekedi a refusé, qu'il ne fait pas négocier. Il a eu l'appui de la population congolaise, la majorité. C'est quoi votre position? Moyens et voies et moyens de solutions pour nous sortir de cette histoire qui n'a fait que beaucoup durer. Je vous montre la dernière photo de Lysia. Ah, ok. Fatibé. Fatibé Béton. C'est le président du Congo. La RDC. Est-ce qu'Azobé Tabi, Azobé Tamabé? Ah, papa. Ce matin, nous recevons un invité exceptionnel. Cécile, nous n'avons pas l'habitude de recevoir des invités, mais il est là. Je vous rappelle que c'est un Congolais, un artiste congolais, voilà. Est-ce qu'il faut ajouter un artiste musicien congolais né à Goma. Mais Goma, c'est au Congo, tu vois. Né à Goma. C'est pourquoi je pose la question de père et de mère. Mais ouais, un père Chine, mère Nandé. À moins que je ne m'abuse. C'est ça son nom. Et Louisia, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur Justin Kabumba, et bonjour à tous qui sont en train de nous suivre. Connu sous le nom de scène El Ouizia Fantastico. C'est un artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète et philanthrope, c'est ça? Ouais. Fils du Nord Kivu. El Ouizia, on sait que on va analyser plusieurs sujets d'actualité. Okay. Au-delà que vous soyez artiste, d'abord, il faut dire que vous avez une casquette en tant que Congolais. Voilà pourquoi j'ai insisté. J'ai posé la question si vous êtes réellement des pères et des mères congolais. Parce qu'on connaît votre poids. Vous êtes un leader d'opinion. Voilà pourquoi on a ce privilège de vous recevoir aujourd'hui. Voilà qu'on a déplacé les studios jusque vers vous pour en tout cas arracher quelques mots par rapport à plusieurs questions d'actualité. D'abord, on commence par la musique, s'il faut dire ça. Ouais, parce que déjà, je suis artiste musicien. Parce que vous êtes artiste musicien. Je n'ai pas pu revenir sur tout ton parcours, biographie et le reste, parce que nous avons au maximum 20 minutes. Alors, Louisia, je ne sais pas s'il faut commencer où, parce que d'abord, l'actualité, on sait que vous êtes un artiste de Goma, vous êtes ici, mais vous restez à Kinshasa. Et Louisien, qui est connu dans la région, au pays, mais à un certain moment, il a quitté Goma pour Kinshasa, aux côtés de la star Fally Ipupa. Et la Marabio Show. Ouais, c'est ça. C'est depuis 2019 que je suis à Kinshasa. Je vole avec Fally Ipupa, en fait, dans le label La Victime. Pourquoi le choix de Fally? Non, c'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a réussi. Et puis. Oui, c'est quelqu'un qui a réussi. Et puis. C'est la seule, en fait, c'est quelqu'un qui a réussi d'abord dans la musique et puis c'est la personne qui m'a approché, en fait. C'était en 2019, au cours du festival Amani, qui était organisé à Goma, ici à Goma.
Et voilà, j'étais encore à Goma à l'époque, et puis je venais de sortir pas mal des titres à succès. Et quand Fally est arrivé à Goma, après son concert à Goma et puis Bukavu, à son retour à Goma, voilà, il s'est rencontré avec celui que j'ai salué d'ailleurs, Yanené Anangui et Igo Bora. Et ils lui ont parlé de On dit moi. qu'il est je crois, côté de la présidence. Ouais, je pense, ouais, Qui il est est la première aussi, dame. il est aussi dans la politique aujourd'hui. Ouais, voilà. Donc, ils ont essayé de parler de moi. Ils lui ont parlé de moi, en fait. Un jeune qui fait bien ici, et puis voilà. Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que tu peux le propulser, en fait, comme tu es en train de le faire à Kinshasa, et comme tu as un label, tu travailles avec Virus, tu travailles avec Boogie Black et tous les autres. Voilà, il a dit non, bon, moi, je suis d'abord Fally, et le cœur d'aider, je l'ai. Donc, s'il faudrait aider un artiste et que vous estimez bon, pourquoi ne pas le faire? Mais il faudrait d'abord que je le voie, que je palpe un peu du doigt son talent, quoi. Et c'est comme ça que j'ai été invité à un hôtel que je ne voudrais pas dire là maintenant. Et on s'est rencontré avec Fally Ipupa. Il m'a demandé de lui montrer quelques œuvres. Je lui ai montré quelques-unes de mes œuvres. Après, on a même fait des selfies ensemble sur Oh My Gosh et tout. En fait, cet enthousiasme-là qu'il y avait là, Il a entre lui et découvert aussi moi, la il a aimé les démarche. trucs. Il y avait même pas mal de chansons que je n'avais pas encore sorties, mais que je lui avais fait écouter. Ah, mais waouh, ça c'est super, ça c'est super, tu vois. Et après, il a dit, mais tu travailles avec qui ici, genre producteur et tout. Et bon, j'ai dit, non, je ne suis pas producteur. Moi, je travaille qu'avec des bénévoles, ceux qui peuvent m'aider d'une manière ou d'une autre. Ma vie, elle à Goma, quoi. Et après, il m'a dit, ça te dit quoi si je t'ai signé dans mon label? Je travaille déjà avec pas mal d'artistes et tout. Alors, c'est là où je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Déjà, quelqu'un qui a ce cœur-là d'aider et puis qui me demande, est-ce que je peux rejoindre son label? Et au-delà de tout ça, je sais que pour devenir grand, il faut marcher avec les grands. Et c'est parmi les grands de ce pays. Je me suis dit, non, mais c'était une belle occasion pour moi. Et c'est comme ça que j'avais dit, non, ben, on va aller. Enfin, en tout cas, moi, je suis prêt. C'était au mois de février. Après, il m'a dit non, directement, En tu prends mon 2019, numéro. Oui, c'est en ça? 2019, prends mon numéro, comme ça, à tout moment, tu peux m'écrire, tu peux me demander des trucs, ou soit des conseils par rapport à ça. Et puis, entre-temps, hein, je suis en train de me préparer pour voir comment tu peux venir à Kinshasa, et à Kinshasa, et voir ce que ça pourrait faire. Après, c'était au mois de février, au mois de septembre, octobre, je pense, il m'a rappelé. J'étais au Burundi pour quelques collaborations avec certains artistes musiciens de là-bas. Après, il m'a appelé, il me dit, mais C'est comment tu Fally qui vous vas? appelle. Ouais, il m'a appelé, il m'a dit, comment tu vas? Ça va, tu vas super, tu tiens le coup. J'ai dit, ouais. En tout cas, on est là. Il m'a dit, je fais Kisangani d'ici là. Et j'aimerais bien que tu sois là. Est-ce que tu es chaud pour venir? J'ai dit, ouais, en tout cas, je vais être là. Directement, j'ai trouvé mon billet d'avion, Goma, Goma, Kisangani. Et voilà, il m'a présenté au public de Kisangani. Après, lors du deuxième concert, j'ai même presté. Les gens ont chanté la chanson Sweetie et tout. Il s'est aussi étonné. Ah, parce que le gars, au moins, il est vraiment connu dans la région et tout. Et c'est comme ça. Malheureusement, juste après, je pense juste après 3 mois, bon, après son arena, hein, son You Arena, son Accor Arena plutôt. Il y a eu Covid et confinement, donc tout le monde devait rester confiné. Lui, il était confiné à Paris, et moi, j'étais confiné à Goma à l'époque. Et quand il est rentré sur Kinshasa, il m'a directement appelé, puisqu'il y avait le concert de Shark. Directement, j'ai été appelé pour jouer au Shark. Et voilà, malheureusement, j'étais aussi arrivé un peu en retard. Mon vol était arrivé la nuit. Et voilà, à partir de là, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure dans les victimes, et jusqu'à présent. Et Louisiane, avec des albums à votre actif, c'est ça, plusieurs singles ainsi que plusieurs collaborations. Et puis, après la découverte des Fally, de Tantala, en 2019, en février, du coup, Fally, impressionné par votre façon de faire, vous êtes parti à Kinshasa. Depuis que vous êtes là, combien de chansons signées par son Déjà, label? en fait, déjà les chansons sorties, il y en a, je pense, trois. Trois. Oui. Et les chansons pas sorties, il y en a environ une douzaine. Hein. Une douzaine. Une douzaine. Mais Puisque la question. quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai sorti Oyonani. Après Oyonani, c'était en 2020 en fait. Après Oyonani, j'ai sorti For You, une chanson qu'on a dédiée d'ailleurs à Bédachour. Et après, je fais Belle. Et directement, on a signé un partenariat, F-Victime et Sony Music. Et quand on a signé avec Sony Music, Sony nous a demandé en fait à F-Victime de lui produire un album. Un album d'ensemble, tu vois, un album des victimes.
Et c'est comme ça qu'on est entré en plein maquis, en plein, je sais pas moi, on était tous ensemble dans un appartement à travailler sur l'album pendant, je pense, un mois et demi ou 2 mois. Ou deux. Moi et mes amis, Virus, Fellow, Boogie Black. Et puis il y avait l'intervention de DJ Mirko, Cédric Niakovitch, Jessica Mutipa, et on a travaillé sur la chose. On a réalisé 12 titres, dans lesquels il y a 8 d'ensemble et 4 chansons individuelles. Donc chacun a sa chanson. Et dans ces 8 chansons, il y a même les chansons dans lesquelles le King lui-même intervient. Mais là, on est en attente, en fait. Il faut que les chansons sortent, il faut que l'album sorte. Donc c'est juste ça, cette attente-là. Donc si je comprends bien, depuis que vous êtes à Kinshasa, Elwizia, il n'a aucune collaboration avec Fally, c'est ça? On a une collaboration d'ensemble, mais qui va sortir. Qui n'est pas encore sortie, mais qui doit sortir. Il y a déjà une date? Vous l'aurez. Vous l'aurez. Non, non, jusque-là, il n'y a pas de date. Mais en tout cas, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. C'est bon. Alors, Elwizia, je peux dire, au-delà qu'il soit artiste aussi, c'est quelqu'un qui admire la façon de faire des Fally, c'est ça? Oui. La musique congolaise, aujourd'hui, elle est emballée par, quelque sorte, il faut dire, une polémique. Ou alors des polémiques qui se multiplient du jour. Oui, ça manque jamais dans la musique congolaise. Dans le il y a gens qui parlent des stades. Là, parce qu'à un certain moment, on a suivi la question des martyrs. Je ne sais pas, Flair, Fally, Watanabe et le reste. C'est quoi vous... C'est quoi votre aperçu, vous, en tant qu'artiste? Mon aperçu, par rapport au concert des stades. Oui. Parce que... D'abord, d'abord, bon, normalement, oui. Bon, quand j'essayais de suivre l'histoire, d'abord du stade, c'est lui qui a donné le go, genre, ou soit cette envie-là, ou soit c'est lui qui a conçu cette idée-là, c'était Zachary Bababassoué. Et c'est lui, je pense, c'est lui qui a fait le premier stade de martyr à l'époque, c'était King Kester. C'était l'idée de Zachary, en fait. Puisqu'à l'époque, c'était, hein, on joue dans des salles, par-ci, par-là, tout ça, aller jouer à Paris, Olympia, c'est pas moi, Bercy à l'époque. Après, lui, il a eu cette idée-là. Et il a proposé aux musiciens, bon, voilà. Le stade des martyrs, c'est comme les summums, en fait. C'est là où tout le monde essaie de se mesurer par rapport à la popularité, par rapport à tout ce qui va avec. Mais après, à un moment donné, c'était comme si c'était niais. Tu vois, un peu, il n'y avait plus de concerts depuis un moment donné, depuis... après ces années-là, ces années Wenge, tu vois, ces années Wenge, Jibewera. Après, c'est venu la cinquième génération, dont la fameuse cinquième génération, Fally et tous les êtres, ouais, et tous les autres qui sont venus après, donc qui sont les produits de Kofi et de Wenge, disons un peu ça. Alors, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'ils ont eu au moins ce courage-là. C'est quoi d'affronter ce stade qui venait de faire beaucoup d'années, en fait, sans que quelqu'un ne joue dedans, en fait. Et moi, ce qui m'a encore plus ému, c'était cette conviction-là de Fally. De se dire, non, ce truc-là, on va le jouer. Ce truc-là, on va le jouer. C'est pas que ceux qui avaient joué ça avaient 4 pattes, en fait, ou 4 jambes, ou c'est pas moi, ils étaient... voilà, il s'est dit, non, je vais oser ça, et je vais le faire, et je vais le réussir, et notre génération va réussir ça. C'est pas que eux ils étaient super humains, en fait. C'est le stade. Et puis, enfin, il faut aussi l'accepter. Les générations passent. Tu vois, il y a ceux qui viendront aussi après nous. Tu vois. Et c'est comme ça. Fally, il l'a fait. Les potes, ils ont compris que, bon, voilà, c'est aussi notre temps de le faire. Je vais dire sa génération. La génération qui tu sais qu'après Fally, c'était héritier. Après héritier, c'est Ferré qui a aussi joué. Et après, aujourd'hui, je suis en train de voir que Vienne Abiso, Moukoua Bongo, Oise, quoi, il veut aussi jouer. Bon, voilà. On a passé du temps. Okay. On va aller terre à terre des questions. J'insiste sur la question, sur cette polémique, stade de martyr. On a suivi les images. Ferré, Fally, Watanabe, cette génération-là. Aujourd'hui, cette cinquième génération... Monsieur Louis, c'est qui le meilleur? Bon, il y a d'abord le guide suprême, c'est Fally. Toi-même, tu le sais, le guide suprême, c'est Fally. C'est pas selon moi, c'est selon les chiffres.
les chiffres, les preuves, les trophées et tout ce qui va avec. C'est pas moi qui place les artistes en fait. C'est pas moi, c'est pas moi qui c'est pas moi qui donne, qui attribue des trophées aux artistes ou qui remet les trophées aux artistes ou qui les ou qui c'est pas moi qui organise des awards par exemple. C'est pas moi qui écoute plus. Disons quoi, c'est pas le plus grand auditeur ou qui influence tous ces auditeurs-là. Non, quand tu vois sur Spotify, qui est le meilleur, c'est Fally, le meilleur artiste musicien francophone africain. On rentre chez nous. On est chez nous, on est chez nous en fait. On est chez nous. Stade des Martyrs. On est chez nous. Et puis disons-nous ceci. Fally, c'est le meilleur artiste africain. Francophone en fait, que ce soit les Ivoiriens, les Camerounais, dire, partout on parle. Il y a ceux qui ne parlent pas faire aussi. Mais oui, mais écoute, parler de que Fally est meilleur ne veut pas dire que faire n'est pas bon. Non, aujourd'hui, il y a cette ouais. Il n'y a pas que celui qui va dire, il y a pas celui qui veut dire. On ne dit pas que. Non, première par rapport à quoi par exemple? On a vu des martyrs. Oh, mais Fally a fait son plein aux martyrs, il a fait plein partout. Moi, j'étais présent. Il a fait son. Il a fait son. Non, c'était pas plein derrière. Ah. Oui, derrière le stade, vous il y avait. Oui, oui, mais oui, mais oui. Il y a eu des images, des drones et tout. Ah. Ouais. Pourquoi les gens appellent. Bon, ok, je vais pas rentrer dans cette polémique-là, mais pourquoi les gens disent qu'on serait dos nu? Pourquoi ça on dit ça? Derrière, il y avait personne, tu vois. Mais Fally, dans ces images, il est même monté à un moment donné, saluer ceux qui sont derrière, tu vois. Donc, je pense. Mm-hmm. Je salue grave le courage de cette cinquième génération, en fait. Fally, il l'a fait. Héritier, il l'a osé. Ferré, il l'a fait. Et il y aura ce qu'ils feront. Et après, nous, on le ferons aussi. Fally a commencé sa carrière en 2006. C'est après, je pense, 17 ans. 2006, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Après 16 ans, je pense, qu'il vient de faire son martyr. 16 ou 17 ans. Ferré, la même chose, tu vois. Ça veut dire qu'on n'est pas pressé. Mais il faut toujours être prêt. Tu sais, ces jours, les jours où je suis arrivé, en fait, les jours du stade de Fally, c'est ces jours-là que j'ai compris que non, la musique, c'est une question de persévérance. D'accord. Beaucoup de persévérance. Tu t'imagines faire genre 100 000 personnes, 120 000 personnes, une personne après une autre, une personne après une autre, une personne jusqu'à remplir ces stades-là. C'est pas easy. D'accord. C'est pas facile. Mais c'est pourquoi j'ai dit, je salue leur courage, en fait, et leur bravoure. De donc, tous ces artistes-là de la voilà. de cette cinquième génération. Bah. D'accord. Alors, il faut d'ailleurs, en passant, saluer. On a vu, vous étiez parmi les invités de Fally Ipupa dans son concert de Brazzaville. Ah, Alphonse Massamba Déba. Ouais, on a été là. Vous étiez parmi les artistes qui ont prêté là. Alors, on achemine avec cette émission, messieurs Elvis. Je vais vous montrer une photo. Vous les connaissez. Ah ouais. Ouais, c'est qui? Mais Innocent. Innocent Baloumé. Un jeune de Goma aussi, hein. Un jeune garçon de Goma. Comment est votre relation avec lui? La relation est artistique. Donc c'est pas ça la réponse. Mais oui, et une relation artistique. Est-ce qu'il y a des coups en face? Bon, courant que dans quel sens en fait? Courant dans quel sens? Vous échangez en fait que votre petit frère, un fils bon, de Perroir également? Pas beaucoup en fait, pas beaucoup. Vous avez son numéro? Pas beaucoup, non, mais j'ai au moins le numéro des deux de ses grands frères. Lesquels? J'ai étudié avec Eric. Fonkoji. Ouais. Et puis on a eu à collaborer sur, je pense, deux ou trois projets avec Achille. Pourquoi vous n'avez pas le numéro de Nansmi? Non, mais je sais pas. Voilà, c'est juste comme ça. Je vais revenir sur sa récente déclaration qui a suscité polémique à Goma. Ok. Mais avant que je parle de ce qui était beaucoup plus politique, il a fait allusion aussi aux artistes de Goma. Ok. Qui ont quitté Goma, voilà. Les artistes de Goma qui ont quitté Goma pour Kinshasa. Attends, vous aviez suivi cette déclaration? Bon, j'ai eu à suivre quelques trucs. Hein. On m'a envoyé quelques vidéos. Voilà, nanana. Bon, ok, après. Est-ce que vous parlez mal de lui, d'Inon Smith? Parler mal dans quel sens? Parler mal où? Vous dénigrez son travail. Pourquoi? Pourquoi je le ferai? Pour quel intérêt? Est-ce que vous les suivez en vrai? Vous suivez sur les réseaux?
Ou déjà, tu fais les suivre soit sur Insta, je pense pas. Je pense pas. Mais pourquoi? Je pense pas. Bon, voilà. D'abord, juste comme ça. Il a dit qu'il faut soit contredire ou bien confirmer l'information. J'aimerais dire si c'est pourquoi je cite. Ok. Il avait parlé en soi, en fait, je vais les paraphraser. Il a dit que la plupart des artistes, des gens en général, qui quittent Goma pour Kinshasa, ils sont mal vus, ils sont vus comme des Rwandais, ils n'ont pas de soutien. Et la plupart des gens là, ils ne veulent pas que les gens qui quittent, qui viennent de l'Est, puissent évoluer. C'est vrai ou faux? La plupart des gens, ces gens-là dont ils parlent, ce sont les gens de Kinshasa. Ils parlent des gens qui quittent Goma pour Kinshasa, l'Est pour l'Ouest. Ah, les gens de l'Est ne veulent pas. Les gens de l'Ouest ne veulent pas que les gens de l'Est puissent évoluer à Kinshasa. Mais pourtant, ceux qui ont fait de lui, lui à Kinshasa, ce sont les gens de Kinshasa. Ce sont les gens de Kinshasa qui partent dans ces showcases ou dans ces événements et tout. C'est dans des bars de Kinshasa qui jouent. Souvent, vous êtes traité de Rwandais. C'est vrai? Bon, moi, il y a ces préjugés? En tout cas, je ne... En fait, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je m'explique. Dans chaque communauté, il y a de... Il y a des couacs, où il y a des gens qui sont... Tu vois un peu, dans la tête, ça ne fonctionne presque pas. Ou... Le problème, c'est quoi? C'est que Kinshasa, c'est un monde d'accueil, en fait. Les gens, ils accueillent tout le monde. Ils accueillent tout le monde. Néanmoins, il y a le côté musical. Le monde ou les sphères musicales, c'est une sphère de polémique. Les gens se dénigrent, les gens se font des piques, les gens se font les gens s'acharnent sur les autres en tant qu'artiste en fait. Ah, artiste, tu sais, j'ai suivi même quelqu'un, j'ai suivi un artiste musicien de Wenge dans une interview qui disait, genre, on lui a montré la photo de Cappuccino, LBG. Et il dit, ah! Bon, moi j'ai pris, ça m'a fait mal en fait, ça m'a fait mal parce qu'on ne peut pas qualifier tout le monde de Goma, de M23 ou de rebelle, ou ce n'est pas moi. Tu vois, mais je ne vais pas dire que puisque l'artiste musicien là de Wenge a dit ça, qu'il représente la population de Kinshasa, ça ne veut pas dire, tu vois. Moi je suis à Kin, ceux qui viennent dans nos shows, ce sont des Kinois. Ceux qui nous soutiennent d'ailleurs à fond, ce sont des Kinois. Parce que ils soutiennent tout le monde en fait. Que tu sois Moussoï, Limoulouba, Moutété là-haut, c'est pas moi quoi que ce soit. Non, tu es Akin, tu chantes bien. Voilà, on aime. Une chanson qui accroche, on aime. Sans pour autant savoir tu viens d'où, tu viens d'où. Mais, si tu viens à Akin et que tu t'attaques aux Kinois, ils vont chercher à percer dans ta vie. D'ailleurs, ces gars, tu vois, c'est ces points faibles. Est-ce qu'il on va creuser, on va chercher à connaître et tout ce qui va avec. Tu vois, et tout ce qui va avec. Tu vas pas arriver à Kinshasa et clasher sur des gens comme tu veux ou aller dans des médias. C'est les cas, non, c'est ça. Non, j'ai dit, c'est comme ça que Kinshasa fonctionne en fait. Alors, et Lucia, récemment, on a vu des concerts des jeunes qui a été annulé. Là, je parle des jeunes artistes, ils l'ont annulé à Goma suite à ses propos qu'il avait tenus à Goma. On reviendra peut-être plus tard si c'est pour vous. D'abord, c'est quoi votre réaction par rapport à l'annulation de ces deux concerts et par rapport à ces propos tenus? Avant de venir à Goma, à Kinshasa, déjà, on m'a demandé, avant même l'annulation de ces concerts, parce que tout ça, moi, je l'ai appris quand j'étais à Kinshasa. On m'a demandé comment ça se passe là-bas, bah, attention, Ezokende, Sokende, Nin, tout ça. J'ai dit non, mais. Bon, je sais pas s'il a pu demander pardon par rapport à ce qu'il avait dit. Et puisque s'il demande pardon, c'est qu'il sait qu'il avait, hein, il avait commis tort en fait. Il avait dit un truc qu'il avait gaffé. Mais s'il a demandé pardon, qu'on excuse en fait. Puisque bon, un frère de Goma, un jeune frère de Goma, tu vois. C'était ce que moi je disais même à Kinshasa. Il disait non, mais bon, ça serait pour la première fois qu'au monde. Un concert annulé à Goma. Genre, les gens boycottaient un concert, en fait. Et ce serait pour la première fois. C'est ce que je disais, en fait. Ça serait pour la première fois. Et ce n'est pas vraiment bien, genre, image de Goma et tout ça. Les gens... D'accord. On a d'abord nos problèmes. On a d'abord nos problèmes. Et on aimerait bien montrer cette grande solidarité face à Kinshasa ou face aux Kinois ou face au monde, c'est pas moi, à l'Afrique et tout, au monde, quoi. Que, malgré les problèmes qu'il y a ici, mais on est d'abord unis. Bon, malheureusement, je pense que je ne saurais pas
comment dire, convaincre toute la population de Goma qui était déjà peut-être indignée par rapport à ce qu'il une avait dit. Partie qui était et fâchée, ou soit. Soutenir. Et voilà, ça ne dépend pas de moi en fait, ça ne dépend pas de moi. Au propos, parce que tout est parti, on sait, de ce que lui avait dit. Il y a une guerre qui est là. Ok. On lui pose une question comme je suis là, parce qu'on est en face d'un leader d'opinion, un jeune, quelqu'un qui influence par rapport à son point de vue par rapport à cette guerre. Et c'est là où je rêvais, c'est la même question. C'est pas votre aperçu, parce que c'est vrai, vous êtes d'abord, il faut le préciser, la première victime de cette guerre, parce que vous êtes un fils de l'homme qui vont, ce sont vos mamans directes, vos frères et soeurs qui fuient par exemple, qui se déplacent. Et vous, quand vous voyez la guerre qui est là, on parle d'envers quoi? Je sais que ma réponse là, elle va embrouiller certaines personnes qui viendront commenter, comme ça, c'était le cas la dernière fois. On m'avait posé la même question, en fait, l'autre fois. Et moi, j'avais dit, moi, personnellement, je ne traverse même plus à Gisenyi. Moi, personnellement. Je ne l'avais pas dit parce que j'étais à Kinshasa. Même là, je suis à Goma. Je ne traverse plus à Gisenyi. Pourquoi? Pour moi, c'était la seule raison est que je ne conçois pas, je ne me vois pas, moi, Louisia, leader d'opinion, en tant qu'artiste, musicien, représentant des gens de chez moi. Allez, ça n'a même rien à voir. Parce que moi, je suis de Goma. Quand on tue les gens, ce sont les gens du Kivu qui meurent. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Moi, je disais même à des frères à Kinshasa, j'ai dit, vous ne comprenez pas encore la chose puisque ce n'est pas le vôtre directement qui meurt, en fait. Mais demandez aux gens de Beni qui ont subi qui subissent les choses directement, genre, on tue ta mère, on tue ta sœur, et toi, tu vois. Ça, oui. Et tu sais très bien d'où ça vient. Tu sais d'où ces gens viennent. Tu sais que ces gens... Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Aller y faire quoi? Aller y jouer. Aller y faire quoi? Je ne peux pas aller m'amuser. Je ne peux pas y aller. Je n'ai pas besoin. En fait, je dois soutenir la cause de mes frères. On pointe du doigt le président Kagame de soutenir la M23. Okay. Quel message que vous avez envie de lui transmettre? Moi, je pense... C'est un homme. Tout d'abord. Et au-delà de tout ça, c'est un père de famille. Et tout ce qui lui est, c'est pas moi, imputé, ou tout ce qui lui est, tout ce qu'on dit sur lui, genre, tout ce qui est prouvé, en fait, par rapport à son implication dans ce qu'il est en train de faire, je pense, ce qu'il a à faire, c'est d'arrêter, en fait. Ce qu'il a à faire, c'est d'arrêter, puisque là, présentement, ça en est de trop. Ça en est de trop. Nous, on est né dans la guerre. Toi, tu es là, tu sais. On est né dans la guerre. C'est depuis tous ces temps. Et jusqu'à quand, alors? Il y a ceux qui partent loin en demandant sa condamnation. Ou alors, il y a des Congolais qui sont partis loin en demandant qu'ils retirent de toutes les relations, même arriver à fermer des frontières. Est-ce que vous partagez le même avis? Parce que le fait que vous dites, non, vous ne partez plus au Rwanda. Donc, ça vaut la peine que les tu vois, moi, soient... Tu vois, moi, je suis Louisien, mon frère. Je suis un leader d'opinion. Ce que je fais, j'influence sur les autres, en fait. Et puis, j'ai un cœur, tu vois. C'est comme, par exemple, en 2016, j'étais parti jusqu'à Beni pour chanter, pour leur montrer mon soutien, pour leur mettre à l'aise et puis essayer d'oublier ce qui se passe là-bas et tout ce qui va avec. Ça veut dire, déjà, moi, j'ai un cœur de compassion. Tu vois, je suis un gars de Goma. Tout ce qui regarde la politique, vraiment la politique, moi je dis toujours que le Seigneur élimine nos dirigeants afin qu'ils se rendent compte de la vraie misère de notre peuple. Parce qu'enfin, en fin de compte, nous sommes perdants. Et nous sommes le vrai, vrai, vrai perdant. On revient sur ça, Elise. Regarde bien cette image. Okay. C'est qui? Mais c'est le président rwandais. Qui? C'est le président Paul Kagame. Après cette image, ça vous dit quoi? Non, mais ça me dirait quoi? Ça me dit rien. Vous voyez le bonheur? En tout cas, je vois juste un président africain du Rwanda. Voilà. En chair et en os. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est que les autorités disent que lui soutient l'M23. Moi, je pense quand ils disent avoir de preuves, en fait. Parce qu'il y a les Nations Unies qui ont condamné, il y a des experts. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Quand ils disent détenir des preuves et quand ils les mettent à nu, quand nous voyons tout ce qui circule sur les réseaux, c'est que c'est vrai. Ils le soutiennent. Quand nous voyons aussi des discours,
qu'il fait passer. Au Rwanda, disant que voilà, nous avons leur terre ici chez nous, nanana, c'est pourquoi Ça me cette fait mal guerre. d'entendre cela, Mais oui, que les autant, Rwandais ça. disent ça. Mais oui, en tant qu'homme, tu sais, moi, mon père me dit des fois, un homme se bat pour sa dignité, pour sa famille et pour sa terre. Tu vois un peu? Donc, tu ne peux pas te dire, quelqu'un entre dans ta maison, il tue ta fille, il tue ta femme, et tu te dis, bon, voilà, tu fais comme si de rien n'était, ou tu fais tout pleurniche. Non. Mais moi, je pense, au-delà de tout ça, le président du Congo, de la RDC, notre président, c'est à lui qu'incombe ou que revient toutes les responsabilités, genre Les décisions. discuter, les décisions, D'accord. ces Peut-être la fin diplomatiques, dernière voir ce qu'ils question vont pour faire. Plus boucler que. cette question politique. Est-ce que vous partagez les mêmes avis de certaines personnes qui disent qu'il faut négocier avec l'M23? Parce que d'abord, il faut rappeler le président Tshisekedi avec lui, qu'il ne faut pas négocier. Il a eu l'appui de la population congolaise, la majorité. C'est quoi votre position? En Bon, bref. déjà, s'il négocie, il y aura, genre, l'M23 va exiger certaines choses. Si, en fait, moi, je pense, au-delà de tout, c'est au gouvernement de voir ce qu'il doit faire. Mais C'est vous, à en eux tant de que voir ce fils, qu'ils en doivent tant que faire. Congolais, Ce que moi, je au-delà veux, que vous ce que moi, soyez je veux, artiste, ce que moi, je veux, ce qui est la paix chez nous. la paix, c'est-à-dire c'est négocier. Ce qui est la paix, c'est tout. Peu Oui, je importe comprends la bien. façon dont ils La vont. paix a un prix, monsieur C'est ce que Elisa. je veux dire. La paix a un C'est ce prix. que je veux dire. Alors, C'est la là où paix, je c'est vais négocier, chuter. c'est C'est là ça? où je vais chuter. Oui. Peu importe la façon dont ils vont faire, quelle magie ils vont Donc, utiliser. c'est négocier, c'est Mais ça? j'ai dit ceci. Oui. Tu m'as demandé si j'étais pour ou contre la négociation. Oui. Moi, je dis ceci. D'abord, je vais dans l'optique où, si la RDC négocie, ça veut dire que la RDC est faible. Parce que le M23 va exiger certaines choses à la RDC. Donc, vous Donc êtes la pas pour. RDC sera obligée d'obtempérer à ce que le D'accord, M23 a exigé. merci. On finit Mais je par. dis ceci. Oui. Par contre, s'ils ont une autre magie, parce que de toute façon, nous sommes un État souverain, tu vois, si la RDC Oui. est vraiment un État. Moyens et voies et moyens de solutions pour D'accord, merci. On nous finit par sortir de cette question. Je vous cette montre histoire peut-être qui n'a la fait que dernière. beaucoup durer, quoi. Je vous montre la dernière photo, Elysia. Ah, ok. C'est qui? La Fatibé. photo, elle est là. Fatibé béton. C'est le président du Congo. La RDC. Est-ce qu'Azobé t'a bien Azobé t'a mal? Ah, papa. on a Fatit. La question, est-ce On a qu'Azobé t'a bien Fatih. Azobé t'a mal, On Fatih? a Fatih, on a président Abisso. Mais la question, vous Non, non, avez non, la non. constitution, vous On a. garantit On a... votre Mais liberté, oui. vous pouvez vous prononcer tel que vous voulez. Bon. Il fait de son mieux. Et je pense que les élections arrivent. S'il n'a pas bien fait, c'est le peuple qui décidera. S'il a très bien fait, c'est le peuple qui décidera. Aza président Nabisso, actuellement. Et beaucoup de respect. Je Toute comprends, je autorité vient comprends. de Dieu, tu Je vois? comprends cette Voilà. analyse. Mais permettez que j'insiste sur la En tout cas, question. je ne saurais pas. Là, je ne saurais pas. Là, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas. Donc, ton exténan. Tu vois, là, moi, je suis trop musicien. Mais là, au même parce qu'on a trop de politiques. Vous êtes congolais, on vit la Non, politique non, quand même. non, 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 mon frère. Moi, je suis D'accord. d'abord musicien. Parlez, Avant vous d'être avez... D'accord, je tout ce comprends. que tu veux, Vous avez peux parlé de dire. quelque chose qui m'intéresse. Les élections approchent, n'est-ce pas? Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Moussa Niamoussi, Matata Ponyo aussi qui s'est déjà prononcé malgré le petit couac. Vous voterez pour qui, monsieur Louisien? Bon, en tout cas, là, présentement, je sais pas trop. C'est pas trop. Voyons voir leur projet de société lors de la campagne. Et après, on pourra se décider. Est-ce que ça vaut la peine que tu sais que tu. Parce qu'il a les soutiens, on a l'impression qu'il a les soutiens vraiment. Ah, ok. Et alors? S'il a le soutien, c'est bon. S'il n'en a pas, bon, voilà. Aujourd'hui, le Mais président là, j'ai dit Tshisekedi présentement, va c'est notre président. D'accord. Si l'un de ses candidats présidents vous appelez pour, parce que vous êtes artiste, pour aller chanter, pour faire sa campagne, faire une chanson pour sa campagne, vous êtes prêt à répondre à l'invitation? Si tu le présentes, tu sais ce qu'il dit. En fait, moi, je chanterai pour tout le monde. Hein, pour tout le monde.
Pour tout le monde, pour nous. Je peux même chanter pour trois. Position dans la vie, hein. Mon frère. Voilà, toi, toi, c'est là, là, c'est la musique. Hein. C'est les pouvoirs. Et tu, mais même là, moi, je parle de la musique. Je parle de musique. Chanter. D'accord. Chanter, faire une chanson. Je peux chanter pour l'un et l'autre. On va finir. Ouais, ça dépend juste du cachet. On va finir dans la musique. Vous avez dit, vous n'avez pas le meilleur audience? Non, on n'a pas de... En fait, je pense la dernière fois qu'on s'est vu, et on a même collaboré sur un projet, je pense. C'était en 2014. 14, si pas 14, de, je pense 14. 2014, c'était un projet de UB, UB Box à l'époque. UB Box, que j'ai salué d'ailleurs avec Bernard Batti. On a eu à collaborer sur un projet là. Et voilà. 2023, est-ce que vous êtes prêt pour une collaboration? À quel prix? Si jamais il y a quelqu'un qui se prête, qui dit non, il va vous signer. Mais moi, je peux jouer avec n'importe qui. Je peux jouer avec tout le monde. Hein. S'il y a de l'argent qui est mis sur la table. Mais sa musique. Mais c'est un jeune qui se débrouille, il fait bien. Il travaille, il fait bien. De ce type. Ouais, je crois que oui. Lesquels? Je connais Tcha-Tcha. Chérie Nangaye, yone wanga motema. Je connais Tcha-Tcha. C'est pas son dernier titre qu'il a lancé sur les marchés. Là, je sais pas trop. Je sais pas il trop. Pas encore je sais pas trop. En tout cas, non. Il faut être franc. Hein. Il faut être franc. Mais je suis sûr que ça arrivera. Tu vois, moi, je suis pas genre aller fouiner dans le. Tu vois, fouiner dans la musique des gens. Genre, chercher. Est-ce que Booba vient de sortir un truc? Est-ce que Gims mais vient de sortir un truc? Même, hein, non, non. En fait, moi, j'attends qu'une chanson arrive dans mes oreilles. Pour ça veut dire quoi? Ça veut dire, si une chanson cartonne, facilement, même un footballeur, à Koye Bangoga, ah, Borozo cartonne. C'est comme, par exemple, Messi. Que tu sois un musicien, que tu sois un médecin, tu connais Messi d'abord. Pour dire qu'il y a donc, ça veut dire ceci. Non, je suis en train de conclure. Donc. Naïe biango nanouté, mais c'est sûr que naoyo kango et puis c'est je sais. Jusque là je sais pas. Donc je connais pas s'il a un dernier truc ou c'est pas je sais pas sa date de combien de temps. On a suivi ça déjà Maoïté et les autres. On parle aujourd'hui que les courants ne passent pas entre Maoïté et Balou. Et d'ailleurs, Maoïté a sorti une chanson hier avec Singil. Ouais. J'ai suivi les trucs. C'est un truc très bien. J'avais suivi pour Maoïté, mais pour... J'ai vraiment aimé les trucs. J'ai vraiment aimé. Il a même embrassé une fille. D'accord. Pour Inos, vous ne l'avez pas encore suivi. Non, bon, en fait, c'est, alors, ça va venir. Ça va venir. Juste. Pour finir, je sais que tu souffres, mais bon, il faut qu'on se dise la vérité. C'est quoi tes perspectives pour l'instant? Préparer quoi? Comme j'étais en train de le dire, je prépare un épée. Mm-hmm. Et puis qui aura, je pense, 5 titres. On n'a pas encore le. Il y a des collaborations. Oui, il y en aura. Il y en aura. Je pense qu'il y aura 2 ou 3. Il y a des jeunes de Goma? Non, jusque-là, non. Jusque-là, non. Je suis. Tu sais, quand j'ai quitté Goma, je m'étais dit, je dois d'abord me concentrer sur Kinshasa. Mm-hmm. Toi, Kinshasa et puis l'international. Goma, c'est bien, j'aime bien, j'adore les musiciens. Bien, qui sont en train de. Oui. Mais je pense que. Il faut que j'arrive encore à un autre niveau. Il faut que j'aie un autre level pour mieux faire la promotion de mes frères de Goma. Tu vois, il faut que na komasko mutumoko boeba niveau mon sous parce que pour quand je vais faire une chanson avec quelqu'un et même maimba la moi fou la pena bien. Mais n'empêche que si quelqu'un de Goma a besoin moi coup de pouce moi boe genre Louise il y a un nouveau truc qui est sorti est-ce que tu peux m'aider moi poste moi nini je peux le faire et je le fais. Il y a beaucoup de gars Banama Bastino Jiseki Bombo Voldi Mapenzi et j'en passe tu vois qui font la musique et qui me demandent de faire la promo et s'ils veulent même que to pousse à DJ Kinshasa va beta avancer mon bango na Kinshasa moi je peux aussi le faire je suis vraiment partant. On va finir par une dernière photo et Louisia. On va finir par une dernière photo. Voilà. C'est une vidéo, c'est si je ne vais pas faire les sons pour la question du droit d'auteur. Kabumba, ouais, coule à tout. Vous les connaissez, Louisia? On finit par là. Ouais, je connais Bellamy. Je connais Bellamy Palouko. Je connais.
Aujourd'hui à Goma, on a l'impression que Bellamy il est emballé par une question liée aussi à la polémique. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un artiste, je crois, vous êtes proche également. Mais vous êtes quelqu'un de la presse, ça veut dire vous savez d'ailleurs plus que moi. Parce que je ne sais pas la dernière fois qu'on a parlé, en fait, avec Bellamy, ça ferait vraiment beaucoup. Tu n'es pas parmi ces victimes, par hasard? Victime de quoi? Victime de quoi? On est là de ça. En fait, l'histoire qui est là, qui est connue, qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je ne veux pas que j'y revienne beaucoup plus parce que j'attends que les victimes se prononcent pour qu'on fasse des reportages là-dessus. Okay. Mais selon nos sources dignes, ces sources disent vraiment que l'artiste aurait, là je les conjugue au conditionnel, aurait détourné des millions, voilà, aurait pris de l'argent déjà. Et donc, Bellamy n'a mini toi un millionnaire. C'est ce que les gens disent. Eh, Bellamy. En tant que Bellamy, jeune de Goma, parce que toi, en départ, de l'image aussi des artistes de Goma, des jeunes de Goma, quel mot que vous avez envie de dire? Mais maintenant, il a détourné l'argent dans quel sens? Il a détourné comment? C'était quoi? C'est une histoire liée, retourner. Donc, en fait, c'est une loi. Likelemba. Voilà, qui demande même toute une émission. Mais toi, tu sais que moi, récemment quand j'étais à Goma la dernière fois, je pense que c'est l'année passée, avant qu'on sorte Mbele, Mbele avec une victime. J'avais sorti un truc là, un truc vite fait, auto. Quand j'étais à Kinshasa, j'avais même appris qu'il y avait un truc là, fameux auto, c'est ce genre de sens-là. Moi, quand j'ai sorti cette chanson-là, c'était juste interpeller les gens, en fait. À chercher plus à travailler qu'à mettre l'argent dans des histoires faciles, en fait. Dans des genres, tu mets ça, tu vas voir ça, tu mets ça, tu vas voir ça. La vie, elle se cherche par le toit. Si réellement il l'a fait, il a vraiment très mal fait. Et qu'il. Mais tu parles de Bellamy, non? D'accord. Ah, tu. T'as un combiné. Ah, que je parle de Bellamy. Ah, ok, bon, ok, Bellamy. Si tu l'as vraiment fait, ça l'a tout. Ozongi c'est là-bas, donc il fasse de son mieux, parce que je pense que ce n'est pas digne, en fait. Ce n'est pas digne de lui, ce n'est pas digne de... Tu vois, et puis c'est un père de famille. Et moi, je pense qu'il tient fort sur sa réputation. Si vraiment c'est vrai, et il va se racheter très vite. C'est un garçon bien que je connais, que j'admire. Et bien qu'il n'était plus trop musique. Hein, il était trop entrepreneur, studio, nanana. Mais c'est vraiment un jeune qui est beaucoup de culturel. Hein? Les gens qui sont trop dans la culture apprécient et tout. Et il tient vraiment sur son nom, son image et tout. Et je pense qu'il va vraiment très très vite s'y racheter. Et remettre les entre guillemets, ce que tu appelles les victimes dans leur droit. Merci Elvis, on va finir par trois messages. Ok. Le premier message à Lingala. Au président de la République, il fallait que tu sais que dire. Je rappelle qu'Andizaki, aujourd'hui, il a un soutien de certains Congolais. Parce qu'il y a ceux qui s'allient, en fait, les efforts fournis et déployés pour soutenir l'armée visant vraiment à redorer l'image de cette armée. Vous savez, l'armée, c'est ça, en fait, les poumons du pays. Premier message, le président Tshisekedi dit qu'il est le premier citoyen. Le deuxième message, c'est à l'armée, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut reconnaître en tout cas les efforts que cette armée ne cesse de fournir, parce que c'est cette armée-là qui se bat pour protéger l'intégrité territoriale, les pays et les Congolais en général. Le troisième message, c'est votre message, c'est que vous aurez envie de transmettre à la population. Bon, Fachi, je vais y aller par des phrases. Au président de la République, je dirais, le peuple attend encore beaucoup. Voilà. Dans quel secteur, par exemple? En tout cas... Les gens disent aussi, les sociaux, c'est chaos, il faut les connaître. Le peuple attend encore beaucoup. Les taux de dollars, c'est compliqué. À notre armée, je dirais, Bendele Koyate. Attends, je pose des questions. Monguna Akotate. Et puis, il y avait qui? Il y avait moi à la population. C'est un message, en fait. Moi, vous m'avez juste demandé de message. Merci. Le peuple attend encore. Pour la population congolaise, par rapport à tout ce que vous faites, comme boulot, travail, un message, en fait, que vous aviez envie de transmettre dans ce par rapport à la population? La population ou à n'importe qui? Bon, soyons forts. Je sais que...
les temps sont difficiles. Comme tu le disais là, les sociales, ça c'est partout. Hein, les gens essayent de. En fait, la misère est là et ça va pas. Donc, je pense qu'il faut être fort et que. Bon, voilà, il faut être fort, il faut. En tout cas, je sais pas, mais il D'accord. faut en tout cas être fort, c'est ça. Voilà, qu'on finit, Fally, Aboudé, Kigali, Maître Gims, même chose. Il y a Youssoupha aussi. Il y a les jeunes des Goma qui avaient dit non, si lui jamais il tombe sur un coup, il peut y aller. Mais après, il s'est quand même. Il s'est racheté. Là, je parle des Baloumé. Et vous, vous dites, niet, vous pouvez pas répondre à Par tout rapport à appel quoi? d'aller se produire au Mais Rwanda. moi je dis déjà que je traverse même pas. Parce qu'on a au Québec, t'as qu'on même traverser. Je ne traverse pas. Parce que je Ou n'ai aller au pas Rwanda. besoin. Je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin. Je ne peux pas y aller. Et comme ce sont des Je ne problèmes. peux pas y aller, mon frère. Quand un voisin me fait mal, il faut que je sois con pour aller chez le voisin. Mais il faut se protéger, il faut rester calme chez soi. Quand un Et voisin ne veut madame pas de moi, quand un Sonnet, voisin ne veut pas de moi. même 100 000, 200 000, 1 million, elle vise pour aller se produire au Rwanda. Mais papa, là, l'argent ne vaut pas la vie. Hein. Il y a la vie des Congolais. D'abord, le sang des Congolais, c'est y aller pour l'argent, c'est être égoïste par rapport à tout ce qui se passe. Mais ils ont suivi C'est être les sans peines cœur. pour aller faire Mais du c'est coup. sa vie, c'est pas ma vie. Chacun assume ses charges, mon frère. C'est sa carrière, c'est sa vie. Et talingate. C'est lui, c'est sa vie. Et moi, j'ai ma vie, j'ai ma vision par rapport à ma carrière, par rapport à ce que je suis en tant que fils de Goma. Je sais que j'ai vécu, je suis d'ici et je sais que je dois être avec le peuple de Goma. Et voilà. D'accord. Ni comme toi, toi, Goma, mon frère. À ça. Donc, parce que toi, Mbrié, dans ma vie, tout moi, na kichwa na mugulu, tout va pas, on va se soutenir, tout à quoi, mon bien, tout à créer, bien, tout. J'ai apprécié votre voix dans Tcha-Tcha, tout de suite là, parce qu'on a commencé par Kinshasa. Mais tu peux aussi apprécier ma voix de Tunasonga Je mbele vais y bila arriver sur. Bien sûr, je vais y kukoseana arriver. na tutavumasana bila kutukanana tukweba pole njengali murefu sana na Ça, c'est. tabia zote sio za kuigiwa wazee walisema kilimali. Ça, c'est à Ça, qui? tu sais très bien. Non, ça, c'est à qui? Tu sais très bien que c'est trop bateau à Kinshasa. Goma. Oui, ça, c'est à qui? Ça, c'est pas Et une puis règle, le ça. refrain, et puis le refrain là, Ah. il est interpellateur. C'est un refrain qui t'amène au travail. C'est un refrain qui te fait comprendre que voilà, tu es patriote. Et puis surtout, les côtés Swahili. On a notre côté, on a notre culture, on a notre façon de voir les choses. On a Ah. ces respects-là, on a ces côtés qui bissent, tu vois. Mais cette Et guerre, elle voilà. sera longue, Il n'y a Elise. pas de guerre, frère. Il n'y a pas de guerre. Il n'y en aura pas. Pour quelle raison? Il y en aura pour quelle raison? Il y en aura pour quelle Tout raison? ça pour ça. Et pendant que Moutoula Moutoula chacun se Merci bat à sa beaucoup. On n'est façon. pas, on Chacun se n'arrange bat à sa pas, on a façon, mon largement frère. dépassé. Merci en C'est tout cas. Goma et c'est les Congo qui Ça, gagnent. c'est ta nouvelle chanson? Non, mais ça, c'est Mbele, la chanson avec les victimes. Tu vois que je ne suis pas le seul à ne Ah pas oui. connaître les chansons des gens. Ah, je vois. Ah, tu vois? Je vois. Et ça, c'est victime sortie au mois de juin de l'année passée. Moi, virus et tout. Mais ma nouvelle chanson, j'ai plein de chansons en fait. J'ai plein de chansons. Baby, stop. Ce que tu me fais, je sais pas l'expliquer. Please, baby, stop. Ta main impolie, je sais pas résister. Girl, you make me feel so good, I'm about to lose Merci. my mind. Quand je Merci. sens tout mon corps dans les tiens, putain, ça me fait wa 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 wa. C'est pourquoi je coupe. Merci beaucoup, Héloïse, en tout cas d'avoir été là. Je crois qu'on va se retrouver prochainement Je pour. suis vraiment ravi d'avoir eu à faire cette émission avec Monsieur Justin Kabumba, qui tu es. Ça me fait vraiment du bien que tu sois passé. Et puis, j'aime beaucoup tes initiatives, j'apprécie à fond. Et je serai toujours là à tout moment et pour donner le coup de pouce. Et puis, je te remercie aussi pour la force que tu ne cesses de me donner et de donner surtout à la culture de Goma et celle du Congo. Donc voilà, que Dieu te bénisse et qu'il te donne encore beaucoup Mais plus de actuellement, force. on a du mal à Voilà. faire la
force à la culture de Goma parce qu'il y a ces artistes-là qui veulent porter des plaintes à Goma, nos médias. Ah, c'est vrai. Ça, on finit, on parlera prochainement. Pendant que vous êtes en train de tout faire pour redorer cette image-là. C'est passé, on a fait aussi ce qu'on pouvait faire. Ok. Voilà, on a eu les résultats. Ah. Merci beaucoup, Elisa. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc, merci de nous avoir regardé. Nous vous disons bye bye. Nous, on est beaucoup plus politique, mais on sait quand on a la chance de vous recevoir en tant que leader d'opinion, ambassadeur. Ouais, on donne aussi nos points de vue par rapport à. Nous vivons en fait la politique, on ne peut rien faire sans politique. Dans la musique aussi, il y a de la politique. Tout est politique en fait. Tout est politique. Voilà pourquoi on doit en fait émettre un petit mot par rapport à la politique. Mais en tout cas, merci beaucoup. Il faut dire également que Goma, c'est en ébullition actuellement. On voit les jeunes qui se battent, qui veulent emprunter la politique. Mais vous connaissez certains jeunes qui sont à Goma, qui sont en train de... Oui, j'ai par exemple Madame Bayongwa Hortense, ma grande sœur, qui est en train de... Oui, je pense à la candidature provinciale. À la députation provinciale, en fait. Il y a certains Patrick. Il y a plusieurs Patrick aujourd'hui. Les Mouniomo, les Olombe, les Mouleke. Et Patrick Mélène aussi, je connais. Je vois les politiciens Mélène, c'est un frère que je salue d'ailleurs. Toi, tu aimes les Patrick, toi. Il y a pas mal de jeunes. Il y a aussi Franck Koumba. Il y a aussi Franck Koumba. Ah, tu vois? Non, Ozapé, non, Franck Koumba. Au salibilo, il y a Fabregas, le maestro. Et lui, je parle de Patrick Colombe, vous les connaissez? Alors, là, on est assis, il dit Corbeil. Oui, je connais Patrick Colombe, Soda. Je connais Patrick. Quelle chance pour lui de se faire un miracle? Non, mais là, moi, je sais pas, c'est par rapport à la population de Goma. Moi, c'est juste après. En fait, écoute, c'est à partir de cette législature que moi j'étais parti à Kinshasa. Donc je ne sais pas concrètement ce qui se fait ou c'est pas moi comment ils punchent par rapport. Mais au moins, je dis ceci, mais au moins je suis arrivé à Goma, je vois ces panneaux à Goma. Les calicots, c'est ça. Et à part. Ah, tu vois, tu. Ah, ok. Donc, yo, ils ont sous-estimé Mutunanga Soda. Je sais plusieurs députés. Ok. Ah, ils mettent toujours des panneaux et tout. Ah, album et tout. Ok. Et bon, Patrick, il met des panneaux, mais aussi, je vois, des fois, il fait des tournois. Hein, des tournois de basket, des tournois à Kesher, non? Combe la cachère et tout, ce qui va avec. Tu vois. Merci, mesdames. Bonne chance à tous les Patrick, candidats. Que ce Patrick, soit Patrick, force à toi. Tous. Beaucoup de courage. Je sais que ça va bien se passer. Ah, ben, et puis, Patrick, je suis... Merci beaucoup. Ok, à tous les Patrick de Goma, Patrick Mouniomo, Patrick Olombe, Patrick Mundeke, Patrick Mélène, c'est pas Franck Koumba, tous les... Je connais pas, ah putain. Quelqu'un que je connais pas, il va pas passer à Goma. Oh. et bon, Justin Kabumba. À Olekate. Hey, mais il y a aussi Foruguta, non? Il va encore postuler. Hubert. Il a une chance. Hubert Foruguta. Il y a aussi Kassé, quoi. Il y a le vieux qui passe toujours. Vienne à Bison Moutir et à Bachar, que je salue. Pire vieux, à Jeannot Kassa, leader des jeunes. Et puis, il y a aussi celui qui était passé encore. Kassé, quoi. Et puis, il y a aussi Josué Moufoula. Je salue aussi. Ah, Batounaï aussi, quoi. Je suis mes partenaires, je suis journaliste. Ouais. Mais quand même, j'ai une position aussi. Hein. Ouais. Et ma position d'abord, c'est soutenir les Patrick. Pouvoirs. Les Patrick. Il ne faut jamais faire l'opposition. Mesdames et messieurs, merci. Okay. En tout cas, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup, Elisa. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, merci mon frère. Merci beaucoup. Bye bye, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Ciao.